Alors, juste une petite précision, à certains moments, je vais tenter d'être drôle. Je dis bien tenter. Je sais que l'exercice est risqué, néanmoins, soyez sympa de rire un peu, au minimum, pour m'encourager. Sorti derrière. Voilà. Un petit bureau avec mes souvenirs. Je vais accueillir mes invités. En général, Frédéric me prépare des discours que je ne lis jamais, donc il sait que je suis extrêmement rebelle dans ce cas-là. Là, ce soir, il m'a dit « tu te débrouilles », il a bien eu raison. Je voudrais simplement dire qu'avec Frédéric, ça doit faire au moins 12 ans, ça fait à peu près 12 ans, ou même 13 ans, je ne les compte plus, mais certainement mon plus fidèle collaborateur. Votre sens de la solidarité, Frédéric, est un refus qui est à la fois éthique, social et politique de l'indifférence. Une des pires des choses qui puissent frapper un homme ou une société, c'est l'indifférence. Sans cesse, vous avez fait le choix de prendre le parti de ceux, de vos semblables, de nos semblables, frappés par des difficultés ou accablés de divers maux. Je l'ai dit également, autre qualité, vous êtes conquérant. Alors naturellement, on peut, certains en tout cas, imaginent que l'esprit de conquête est un esprit fâcheux qui manifesterait une ivresse un peu vaniteuse du pouvoir, une relation superficielle avec les choses, une attitude qui ne viserait qu'à la gloire, ou pire d'ailleurs, qu'à la gloriole. Mais il n'en est rien pour ce qui vous concerne. Si vous aimez conquérir, c'est parce que vous aimez gagner. Si vous aimez gagner, c'est que vous aimez faire gagner les autres. Vous êtes de ceux, en effet, qui aiment que les choses avancent, que rien ne recule, que tout soit toujours meilleur. Vous faites partie, finalement, de ces optimistes qui savent qu'il nous appartient de faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier. Frédéric Fougera, au nom du président de la République, je vous fais officier dans l'Ordre national du mérite. Je voudrais adresser mes premiers remerciements à Jean-Jacques Ayagon, qui a immédiatement accepté, sans condition ni réserve, de me remettre ses insignes d'officier. Nous n'avons jamais eu l'occasion de travailler ensemble sur les mêmes sujets au même moment. Cela ne nous empêche pas d'avoir des engagements communs, notamment pour contribuer à faire face à certaines injustices de la société, aux préjugés et aux discriminations liées le plus souvent à l'ignorance, à de fausses croyances ou à de vrais a priori. Lutter contre les discriminations est un engagement sans fin, qui méritera encore longtemps d'y consacrer des ressources, du temps et de l'énergie. Nous pourrions donc être amenés à nous recroiser dans ces combats. Merci, Monsieur le Ministre. Après Jean-Jacques Ayagon et Philippe Salles, ce sont mes équipes que je souhaite remercier, car je leur dois des remerciements et je souhaite partager avec elles l'honneur qui m'est fait ce soir. Dans l'entreprise, de façon générale, et dans la communication en particulier, le collectif est très important, il est même essentiel. Travailler en équipe, ça veut vraiment dire quelque chose pour nous. Et croyez-moi, ce n'est pas facile d'être performant en communication, car tout le monde estime pouvoir faire mieux que vous. Oui, oui. En communication, tout le monde ou presque a un avis. Pas une expertise, une inexpérience. Non, non, un avis. Tout le monde a un avis. En fait, la com, ça doit être le métier super sympa que tout le monde aurait pu faire. Et je ne sais pas pourquoi, certains se sont dit « Tiens, je vais faire un truc plus compliqué, plus stressant, plus fatigant. La com, c'est trop facile. » Je voulais conclure le sujet du soir par une petite anecdote, cette fois-ci familiale. En effet, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, que mes parents me surnommaient, à mon insu, qu'ils me surnommaient le général. Eh bien, ce soir, à défaut d'être général, me voilà déjà officier. Thank you.
I don't care about where we're.